Bien, si nous n'avons pas une construction, un ajout qui soit bénéfique pour le peuple ukrainien, à qui nous devons cette solidarité dans les mois qui viennent, nous aurons, je crois, raté quelque chose. Et donc je veux qu'on prépare à la fois la phase de reconstruction et cette phase de coopération politique intermédiaire, je le répète, qui n'est pas une alternative à l'adhésion, qui est un complément à l'adhésion, c'est bien ce qu'a dit le Président de la République encore en fin de semaine, de coopération politique, de financement de la reconstruction, d'adhésion à certaines politiques européennes en avance. La politique peut-être de l'énergie ou des transports, c'est à discuter, de libre circulation en Europe. Donc c'est un ajout pour qu'il n'y ait pas de déception, de frustration. Tous les processus d'adhésion à l'Union européenne prennent du temps. Et donc si nous ne faisons qu'attendre, je crois que nous ne faisons pas œuvre utile et que nous devons plus à l'Ukraine. Nous devons proposer, mais c'est évidemment à discuter avec les autorités ukrainiennes, avec nos partenaires européens. Nous avons fait une proposition, nous avons ouvert ce débat d'idées le plus honnêtement possible pour dire, dans l'attente de la conclusion d'un processus d'adhésion, en effet, il doit y avoir des éléments de coopération politique, concrets, énergétiques, économiques, sociaux, qui doivent être construits, qu'on n'avait pas bâti dans les épisodes précédents, si je puis dire, notamment avec les Balkans occidentaux. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une phase d'attente qui est jugée souvent par les peuples et par les opinions publiques comme trop longue. Et si l'on veut que cette perspective européenne bénéficie à d'autres pays, oui, il peut y avoir dans cette communauté, non seulement l'Ukraine, si elle le souhaite, mais aussi, nous l'avons évoqué, c'est à chaque pays de décider, la Moldavie, peut-être la Géorgie, puis des cas très différents, que je ne compare pas à l'évidence, mais par exemple celui, si ce pays était intéressé, du Royaume-Uni, qui a quitté l'Union européenne, mais qui pourrait trouver intérêt à des coopérations européennes un peu différentes, un peu plus souples. Je te remercie beaucoup. Thank you very much.